bien, salut les amis, c'est Fandy. On se retrouve pour un épisode un petit peu spécial. Je voulais tout d'abord commencer par vous souhaiter une bonne année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que le Père Noël vous a bien gâté. Ensuite, je voulais faire cette vidéo pour vous parler un peu de ce qui va arriver en 2014 sur la chaîne. Pour vous expliquer aussi pourquoi vous voyez plus depuis un petit moment d'épisodes de Call and Craft. Donc en fait j'ai eu récemment mon disque dur de la Xbox qui a grillé. Et donc du coup j'ai perdu toutes les maps Minecraft que j'avais, sauf bien sûr les maps aventure et craft à box vu que j'avais fait des sauvegardes. Mais pour Call and Craft, voilà, j'avais pas fait de sauvegarde, donc j'ai perdu la map et du coup le projet tombe malheureusement à l'eau. Donc je suis désolé pour tous ceux qui suivaient la série, qui vont être un peu déçus, mais c'est les risques du métier, on va dire. Depuis, j'ai ma nouvelle Xbox, mon disque dur, etc. Donc tout va bien, il n'y a pas de souci, maintenant il devrait pas y avoir de problème. Après je voulais vous parler aussi d'une nouvelle série qui va arriver sur la chaîne très bientôt. On a tourné le premier épisode hier tous ensemble, donc il y a pas mal de monde qui va intervenir sur cette série. Et en fait c'est la map sur laquelle je me trouve qui s'appelle Cube Land. Donc c'est une map survie qu'on a créée à la base avec Red Angel. Donc on savait pas vraiment quoi faire en fait, on a juste fait une petite survie basique et il se trouve que en fait il y a plein de monde qui nous a rejoint et voilà, ça a commencé à faire une petite ville, etc. Donc ça part plutôt pas mal. En fait pour cette map, ce que j'avais fait, j'avais juste imposé trois petites règles au niveau du spawn. D'ailleurs on va y aller comme ça, vous verrez ce que ça donne. Donc je vais pas vous lire les panneaux, mais en gros j'ai marqué que donc tous les joueurs qui venaient sur cette map en fait devaient donc construire leur maison individuelle. C'est pour ça que vous voyez que là ça commence à devenir un petit village. Parce que j'avais prévu à la base que des joueurs iraient habiter un petit peu partout dans le monde, mais au final ils sont quasiment tous venus nous rejoindre. Vous voyez, il y a quelques petites maisons qui traînent par-ci par-là. Ça c'est des joueurs. Il y en a qui sont venus, qui ont commencé des maisons, qui les ont pas finies, d'autres qui les ont abandonnées, enfin bref. Il y a pas mal de petits trucs partout. Ça c'était la première règle. Ensuite, deuxième règle, évidemment, interdiction de voler les autres joueurs ou de rentrer chez eux sans leur autorisation. Et enfin, la troisième règle, donc celle qui a fait que tout le monde passe quand même pas mal de temps sur cette map. C'est en fait, donc voilà les panneaux qui expliquent. Et c'est en fait qu'il faut, pour avoir des ressources, que ce soit des minerais, de la nourriture, de la redstone, n'importe quoi, vous pouvez tout demander à vos voisins, donc même du bois hein, par exemple. Mais seulement ça marche sur un système de troc, c'est-à-dire qu'ils vont pas vous donner 30 cubes de bois pour vous faire plaisir, c'est vous allez avoir 30 cubes de bois contre 3 lingots de fer par exemple. Chacun fixe ses prix, voilà, il y a un genre de marché qui s'est installé en fait, et ça rajoute un petit truc au jeu et c'est pas mal du tout. Là on a quand même bien avancé, comme vous l'avez vu, le village est fait, donc on est allé dans le Nether déjà. La dernière fois on est allé tuer l'Ender Dragon, donc on était 8, il a pas duré longtemps. Et on a décidé d'augmenter un petit peu les trucs du serveur en construisant quelques usines, notamment une usine à Enderman, à Blaze, à Fer, etc. Et pour les faire, je me suis dit pourquoi pas le partager avec vous. Donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous tente de suivre l'expérience ou pas. On a tourné le premier épisode hier avec la ferme Enderman. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je suis en train de préparer, donc parce que ça a quand même pris 4-5 heures à tout faire. Parce que bon, je vous précise qu'on fait toute cette map a été faite complètement en survie, hein, donc même les usines et tout qu'on va faire, ce sera fait entièrement en survie. Et donc voilà, hier pour faire notre petite ferme à Enderman, ça nous a pris quand même 4 heures, ouais, par là. Donc du coup
Je pense que je vous ai fait un petit montage du plus gros, on va dire, avec des ellipses, etc. Et je vais vous publier ça dans le week-end. Je sais pas encore quand, mais ce sera dans le week-end. Donc voilà, ça, c'est ma maison, hein, simplement. Donc, s'il y en a qui veulent venir, voilà, on peut fermer la nuit, etc. Après, de toute façon, je vous ferai un épisode pour vous présenter le serveur, les maisons à qui elles appartiennent, les joueurs qu'il y a dessus. Voilà, donc ça, c'est mes panneaux avec ce que j'échange, etc. Mais enfin voilà, je vous en dis pas plus. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si cette série vous tente. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain Craft à Box. C'est le premier épisode de Cubeland. Allez, salut tout le monde!